Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire ce petit sac de petite fille. Lemsure, la poche, c'est de 17 cm por 17. La doublure et le tissu principal sont de 30 cm de largeur pour 25 de hauteur. Le tissu principal est là déjà du thermocollant. Et je vais commencer por coudre les petites poignées que sont de 45 cm. Je vais les positionner à 9 cm d'écouté. 9 cm. Je plie un petit peu ce tissu pour renforcer un peu la couture et je passe une couture. Je fais la même chose sur l'autre coupon. Ensuite, je prépare la poche. Je plie deux fois comme ceci et je passe deux coutures après. J'ai plié le tissu tout autour de la poche. Maintenant, je vais la positionner au milieu du tissu de la doublure, à 6 cm de haut. 6 cm. E je vais passer une couture tout autour, sauf un. E voilà, je passe une couture comme ceci. Sur le tissu principal, je vais fermer le sac aussi. Je positionne le tissu endroit contre endroit et je passe une couture. Je vais laisser une ouverture en bas. Et je passe une couture comme ceci, tout autour. Pardon. Mais avant, je vais coudre la poche. E voilà, les coutures sont faites. Maintenant, on met le tissu principal à l'endroit. J'ouvre bien les petits coins en bas.
Et maintenant, je vais assembler les deux tissus, le la de velours et le principal. Je vais étangler tout autour, couture contre couture, bien positionné comme ceci. Et maintenant, je passe une couture tout autour comme ceci. Maintenant, je retourne le tissu à l'endroit, je repasse bien le tissu et les coutures. Après, je ferme la petite ouverture en bas, le tissu de lado duro. Je passe une couture à la machine. E voilà, le petit sac est terminé. La couture est prête. Et maintenant, pour terminer, même, je vais bien repasser la couture en haut. Et je passe une autre couture sur le tissu. Et voilà, c'est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, à très bientôt.